et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Ronron le Moucheron de Benoît Charlat et édité par les éditions Sarbacane. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à Ronron le Moucheron? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Voici la maison de Ronron le Petit Moucheron. Ronron lit dans sa maison. Ronron fait de la trottinette. Ronron fait caca. Ronron téléphone à Mouchelette. Allô, copine? Allô, Ronron, je viens te rendre une visite. Oui, il faut que je passe le balai chez moi. Ronron passe le balai. Il reçoit une invitée. Et zou, au compost. Coucou, Mouchelette. Bienvenue dans ma jolie maison. Trie les déchets verts, la nature te dit merci. Respecte la nature. Vive le compost qui nourrit la terre. Pense à ta planète. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, Ronron le Moucheron, il habite dans une poubelle dans laquelle on met tous les déchets verts pour pouvoir en faire ensuite du compost. Donc là, c'est plutôt rigolo puisqu'il nous montre le moucheron en train de faire plein d'activités comme de la trottinette, passer le balai, etc. Ce qu'ils ne font bien évidemment pas dans la vraie vie. Mais le plus important dans l'histoire, c'est quand même de bien trier tous ces déchets. Donc là, on parle surtout des déchets verts, c'est-à-dire tout ce qui va finir par se biodégrader si on le met dans un compost qui peut ensuite être utilisé pour aider à faire pousser les plantes, les fruits, les légumes et autres de notre jardin, si on en a un. Puisque comme c'est dit tout à la fin, le compost permet de nourrir la terre. Il est donc très important. En tout cas, le primordial, c'est de trier ses déchets, surtout de ne pas les jeter dans la nature, c'est pas bien, car ça pollue et ça abîme la planète sur laquelle on vit. Donc comme Ronron le Moucheron, faites le tri et compostez. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut !